crois qu'il fait 5 degrés dans le bâtiment dans lequel je passe la plupart de mes journées. Les frigos ne fonctionnent plus, hein, il fait plus froid à l'extérieur que dans les frigos. Quand il fait froid comme ça, on aime bien pouvoir avoir un petit repas chaud. Et donc je vais vous présenter comment je fais mes soupes chaudes, mes crues. J'ai un demi-avocat. J'ai une gousse d'ail, voilà. J'ai du gingembre, trois bons petits morceaux, ça donne du goût. J'ai de la courge. Et une carotte, voilà. Bon, j'ai pas besoin de faire une quantité astronomique, hein. Je suis tout seul ce soir, comme depuis 15 jours dans cette maison. Voilà. Alors, le secret, c'est que maintenant je vais ajouter mon eau qui est montée à 80 degrés, parce que celle-là, ça permet de choisir un peu la température. Et je mets mes légumes comme ça à tremper, ça permet de les réchauffer parce que là ils sont à 5 degrés, hein, température ambiante. Ici dans mon blender, je vais commencer à mettre un peu tous mes épices, une pincée de sel, trois tomates séchées, allez hop, un peu de cumin parce que c'est très bon aussi. Je mets tous mes légumes. Ici, qu'est-ce que j'ai? Je vais en profiter pour en parler maintenant, pendant que j'ai remis mon eau à chauffer. Des oignons que j'ai fait tremper dans un mix de tomates séchées avec de la sauce soja, et que j'ai ensuite déshydraté. Donc c'est maintenant comme des chips. Vous voyez, ça craque. Franchement, c'est comme des chips goût tomate. Je vais chercher mon eau chaude. Alors je mets juste un fond au début et j'ajouterai mon eau au fur et à mesure parce que le blender il a plus la fonction de variation de vitesse. Voilà, c'est le seul blender qui reste à la ferme là, et donc c'est un petit peu violent, mais une fois qu'on est habitué, ça passe. Attention. Voilà, alors j'ai pas mis trop d'eau parce que je voulais la garder bien onctueuse. En tout cas, elle est bien chaude, cette petite soupe. Et voilà, regardez-moi ça, c'est crémeux, c'est beau, c'est beau, c'est très beau. De l'oignon séché, éventuellement un petit crackers. Et voilà, c'est pas beau? Une petite soupe? Quand même goûter, voir un peu ce que ça donne. Nickel. Ça fait plaisir. Ouais. Bon bah voilà, tu vas aller manger au coin du feu. Allez, bon appétit!